Manchester City s'apprêterait à entamer des négociations contractuelles avec Kevin De Bruyne. Le milieu de terrain belge approche de sa dernière année à l'Etihad et les spéculations sur le fait qu'il est recherché par la Pro League saoudienne obligent les citizens à envisager de lui proposer un nouveau contrat, peut-être amélioré. Malgré ses 32 ans, Kevin De Bruyne reste sans doute le milieu de terrain le plus influent de la Premier League. Même s'il a manqué une grande partie de la saison en raison d'une blessure, le retour du Belge a donné un sérieux coup de pouce à Pep Guardiola et a permis à l'équipe de redevenir un favori pour le titre. Par conséquent, reconnaissant l'importance de l'ancienne star de Wolfsburg, la hiérarchie de Manchester City, selon un récent rapport de ITC, cherche désespérément à l'attacher à de nouvelles conditions avec le joueur partageant le même enthousiasme. Une bonne nouvelle pour les supporters de Manchester City, qui seront ravis si leur star accepte de prolonger son séjour à l'Etihad. Au cours de ses 9 années passées au sein du club, Kevin De Bruyne, qui n'est plus qu'à une apparition de ses 100 sélections internationales, a inscrit 98 buts et délivré 161 passes décisives en 366 matchs toutes compétitions confondues. Les contributions du milieu de terrain lui ont permis de remporter 17 trophées majeurs, dont le remarquable triplé de la saison dernière. Le Real Madrid serait intéressé par la resignature de deux de ses anciens joueurs. C'est ce que révèle un récent rapport du média espagnol Fichage, qui affirme que les géants de la Liga envisagent d'approcher Manchester United cet été pour ramener Casemiro et Rafael Varane en Espagne. Rafael Varane et Casemiro ont quitté le Santiago Bernabéu en 2021 et 2022 respectivement. Cependant, les deux joueurs étant en perte de vitesse dans la hiérarchie d'Eric Ten Hag, il y a des spéculations sur le fait qu'ils pourraient être transférés à la fin de la saison. Il semblerait que le Real Madrid soit en train de flirter avec la possibilité de ramener deux de ses joueurs les plus décorés au Santiago Bernabéu. Rafael Varane et Casemiro, qui ont tous deux contribué au succès du club au cours de la dernière décennie, seront toujours les bienvenus au Real Madrid. Il est toutefois surprenant qu'ils soient tous deux associés à un retour sur les terrains de football. Après le recrutement de Jude Bellingham et bientôt de Kylian Mbappé, les Blancos ont pris une nouvelle direction et se tournent clairement vers l'avenir. Faire revenir deux anciens joueurs vieillissants irait à l'encontre de leur nouvelle politique et déconcerterait probablement les fans. Manchester United aurait décidé de vendre ou non Marcus Rashford. Les Red Devils se préparent à une fenêtre de transfert estivale importante et chargée. Après avoir récemment accueilli le nouvel actionnaire Sir Jim Ratcliffe au sein du club suite à son investissement réussi, les Red Devils s'apprêtent à vivre des changements majeurs. Alors que le club s'apprête à remanier son effectif, Marcus Rashford est pressenti pour partir à la recherche d'un nouveau défi. Cependant, selon un récent rapport de Football Insider, bien qu'il ait connu la pire campagne de sa carrière et que son comportement en dehors du terrain ait également suscité des inquiétudes, les Red Devils ne vendront en aucun cas le joueur de 26 ans. La rumeur veut que Marcus Rashford figure sur la liste des remplaçants possibles du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé, mais il semble que Manchester United résistera à toute demande ou offre pour son numéro 10. La nouvelle que le club est déterminé à rester avec le diplômé de l'académie surprendra et probablement irritera certains fans. Marcus Rashford n'est plus que l'ombre de lui-même depuis longtemps, et malgré le fait qu'il soit le plus gros salaire du club, il semble être le maillon faible de l'équipe. Non seulement l'ailier formé au pays est en difficulté sur le plan national, mais avec seulement 5 buts en Premier League à son actif cette saison, il doit s'améliorer s'il veut faire partie de l'équipe d'Angleterre de Gareth Southgate pour l'Euro de cet été. Selon ITC, Chelsea cherche à améliorer son poste de gardien de but avec la signature d'Aaron Ramsdale. Le gardien de 25 ans a eu du mal à s'imposer comme titulaire à Arsenal cette saison et doit quitter le club à la fin de la saison. Il sera intéressant de voir si Arsenal est prêt à vendre le joueur à Chelsea cet été. Chelsea a recruté Robert Sanchez en provenance de Brighton au début de la saison, mais n'est pas convaincu par ses performances. Ils cherchent à le remplacer et ont identifié la star comme une alternative potentielle. On pense qu'il garde également un œil sur le gardien de la Liga, Georgi Mamardashvili. Aaron Ramsdale a fait ses preuves en Premier League et il devrait pouvoir s'intégrer rapidement à Stamford Bridge et avoir un impact immédiat. L'opportunité de continuer à Londres et de rejoindre un grand club comme Chelsea pourrait être une option attrayante pour le joueur. S'ils peuvent lui garantir un temps de jeu régulier, le gardien de 25 ans sera sans doute séduit par l'idée de les rejoindre. Aaron Ramsdale est encore relativement jeune et il est susceptible de s'améliorer avec l'expérience. Il pourrait devenir un joueur de premier plan pour Chelsea dans les saisons à venir. Les Blues comptent également Kepa Arrizabalaga dans leur rang. L'Espagnol est actuellement prêté au Real Madrid et retournera à Stamford Bridge à la fin de la saison. Cependant, il n'a pas d'avenir au sein du club londonien et il est probable qu'il soit vendu définitivement. Tottenham est fortement lié à un transfert du milieu de terrain Ten Koopmeijer, qui serait désireux de faire venir l'international néerlandais dans le nord de Londres. Après un incroyable début de campagne sous la houlette du nouveau manager Ange Postecoglou, les Spurs ont eu du mal à maintenir leur performance en raison de plusieurs blessures de joueurs clés. Afin de renforcer leur effectif,
Timo Werner et Radu Dragusin ont été recrutés au cours du mois de janvier, mais il y aura sans doute d'autres arrivées au cours de l'été. En tête de liste, le milieu de terrain de l'Atalanta, Ten Koopmeiner, a attiré l'attention de plusieurs clubs de Premier League. Selon un rapport du média italien Calciomercato, Tottenham est en première ligne pour le joueur de 25 ans, aux côtés de Liverpool. L'Atalanta espère en effet obtenir le meilleur prix possible, le transfert de Rasmus Højlund à Manchester United étant cité en exemple pour le montant de la transaction. La nouvelle recrue James Maddison se marie parfaitement avec Yves Bissouma et Papa Matar Sarr, ainsi qu'avec Rodrigo Bentancur lorsqu'il est en forme. L'ajout de Ten Koopmeiner à ce milieu de terrain déjà bien établi aidera les Spurs à être compétitifs sur tous les fronts la saison prochaine, surtout s'ils obtiennent une place en Ligue des Champions.